one's gonna take me alive. The time has come to make things right. Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue mes amis sur la découverte de Halo 5. Je me suis pas connecté, c'est vrai, désolé. Halo 5 Guardian sorti aujourd'hui que j'ai eu il y a deux jours. Non, je rigole, que j'ai eu il y a un jour parce que je devais l'avoir le samedi mais je n'étais pas là. J'étais dans mon chez-moi plus loin que mon Micromania où j'ai fait ma commande. Donc du coup j'ai dû prendre mon mal en patience, bordel de merde. Et j'y joue depuis hier, donc la sortie officielle est aujourd'hui, donc le 27 octobre. Et allez vous faire foutre avec votre message de merde. Donc on va pas faire de la découverte solo parce que pendant, comme je vous l'avais dit, les solos de Halo c'est plus du let's play et je me tâte à faire un let's play. Regardez, j'ai littéralement bouffer le jeu. Il me reste 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 missions à faire parce que ça j'ai à peine commencé. Il me reste 4 missions à faire. Et ça j'ai fait tout ça en une nuit. Voilà. Je suis couché à 2h du mat, mais ça a été fait en une nuit. Hein, c'est très bien. De 18h jusqu'à 2h du mat, je n'ai pratiquement pas lâché le jeu. Bon, j'ai mangé entre deux, mais tout en jouant en fait. Donc oui, hein, je suis un peu drogué. Donc vous savez très bien que j'adore Halo. Mais on va aller sur le Multijoueur. Sur le Multijoueur, je ne suis que niveau 2, j'ai fait 2 ou 3 matchs. Et j'étais très content de voir... merde. De voir... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, 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 on ouvre des trucs comme ça à l'arrache. Voilà, sur mon ordinateur, j'aime pas ça. De voir qu'il y a une sorte de mode recherche et destruction. Donc oui, j'appelle ça comme ça parce que je jouais à Call of étant petit, quand j'avais 14 ans. Du coup, c'est vraiment ça, mais en beaucoup mieux parce que sur Halo, c'est vraiment plus... Voilà. Faut avoir un meilleur doigté que sur Call of, faut le dire. Et j'étais très content et du coup j'espère que ça va aller quoi. J'espère que ça va aller avec vous, que vous allez vous plaire, que ça va vous plaire et tout. Par contre je sais pas où est je crois que c'est ça, arène en équipe, une règle d'exclusion de matchmaking qui s'applique pour un abandon de partie. Oui, ça va être ça. Ça va être ça, une sorte de recherche d'exclusion qui s'appelle arène en équipe et qui est très drôle et très fun. C'est ce qu'on va faire, désolé. Hop, on va faire ça, voilà. Alors il faut encore ce 9 parties pour être qualifié, faut pas que je quitte parce que voilà. Sinon je pourrais être disqualifié ou quoi, il faut 10 parties, puis je serai qualifié pour je ne sais pas quoi, voilà, parti pour se qualifier 9. Après je m'en fous des qualifs, c'est vraiment, j'ai fait un triple kill dès mon arrivée, bon mon équipe a perdu mais je fais plein de trucs en fait. Donc après on ira voir la création, bah on peut même aller voir tout de suite, centre Spartan vite fait, j'ai créé une fille. Oui ça se voit pas parce que j'ai pas trouvé très féminin en armure, mais c'est ma première armure et j'ai pas trop changé parce que je ne peux pas, j'ai pas acheté de trucs. Mais on peut faire quelques petits... Oh là là, non je veux pas des gens qui parlent. Allez vous faire foutre, non c'est moi qui parle, c'est moi. Vous vous entendez, c'est moi, pas vous. On va essayer de le muter le débile. Ah putain, oh là là. Oh et puis il fait du bruit l'enculé. Ah oh, regarde, non, il n'y a jamais ça sur Halo. Pourquoi sur Halo 5 il y en a qui font ça? Merde, débranchez votre Kinect. Regardez, on fait que de l'entendre. Alors putain, c'est même pas la peine. Hein. Il est où? Il est où? Je vois pas qu'il apparaît en fait. On va... Voilà, tout muet. Voilà, très bien. On a une touche pour tous les mutés. Très bien. Hop, voilà, là c'est classe. Waouh, le mec a un peu changé d'armure. Et c'est parti pour la recherche. Ouais, on va plus. C'est une sorte de recherche des solutions. Par contre, le son est trop grand. Ah, j'étais de l'autre côté hier. Par contre, le Magnum c'est super. Ah non, c'est pas du tout la même arme en fait. C'est pas du tout la même map. Fait chier, j'aurais bien vu que ce soit la même map pour vous proposer un petit truc sympa. 3 contre 4. Ah, ah. 2 contre 4. Attends. J'étais sûr qu'il y avait un gars là. Oh bordel de merde. Oh ça va hein. Ouais Yohan, mais tu m'as... T'avais dit que t'étais fort. Ouais mais je suis fort mais pas dans une map que je connais pas hein. J'ai fait que deux maps dans le jeu d'Halo 5 hein. J'ai pas vraiment joué beaucoup en multijoueur hein. J'ai joué que hier. Deux parties, une partie de recherche quoi, une partie de recherche de solution, on appelle ça comme ça, d'arène quoi. Et une autre partie, waouh, arrêtez de me pousser. Et une autre partie en SWAT. SWAT qui est mon mode préféré, qui est un tir dans la tête et tu meurs. On va faire attention. On n'a qu'une grenade, faut le savoir aussi. Oh là là.
Non, non, mais s'il te plaît, non, mais... Non, on a un FK, non, mais merde, non, mais regardez-moi ça, là, non, mais... Regardez-moi cette découverte de l'amour, quoi, comme de... Manche perdue. Super! Alors lui, il a intérêt d'être kick, hein, parce que... Ah, oh, fais chier, fais chier, fais chier! Hier, je fais un triple kill à peine arrivé dans la partie, là, je fais rien du tout. On va rester là, comme des putes. Non, je rigole. J'aime pas faire ça. Mais faut pas trop s'aventurer. Surtout qu'on connaît pas la map comme moi, là, à cet instant même. Oui, la bombe dans Call of, comme vous, pour ceux qui connaissent, est représentée par un drapeau. C'est juste, faut porter un drapeau à un autre coin. 3 contre 2. 2 contre 2. 2 contre 2. Bah, 2 contre 1. 2. Oh oui, fusil à pompe. Dernier survivant. Je suis le dernier. 1 contre 2. Ok. Prendre ça. Concentré. C'est mute 7. Il m'a vu. Ils m'ont vu. Plus qu'une minute. Oh putain, il est là. Oh là là, non mais regardez-moi cette équipe de merde là. Oh là là, oui je rage, mais j'ai des équipes pourries. J'ai des équipes pourries. Je vais vous montrer un truc marrant là, merde. Je vais vous montrer quand je fais des kills et tout, parce que je suis bon sur ce jeu moi. Mais là, avec une team comme ça, parce que c'est un jeu d'équipe, c'est un peu dur. Putain de merde, les grenades. Un petit DMR, très bien. Non, non, non. Pff, ouah, j'en ai marre. Voilà, bah oui, d'accord, ok. Regardez, on a rien mis, mais regardez. Non, mais merde, quoi. Non, mais ils sont nuls en dans ma team. Regarde, on va recommencer une partie après, mais pas avec eux, hein. Parce qu'ils sont nuls à chier. Ah, putain, y a pas d'enjeu, y a rien. Moi, j'ai envie de vous montrer un beau truc, quoi. Des belles choses, du halo, quoi. Là, y a rien du tout, là. Y a que Pouic, y a que dalle. Très bien, regarde ton DMR. Et personne. L'ennemi a pris le drapeau. On a trouvé leur porte-drapeau. Dernier survivant. Voilà, il va te faire foutre. Du porteur. Ah, on peut pas courir hein, quand on a le drapeau. Voilà. Bon, voilà, j'ai quand même fait un kill. Voilà, super, bravo. Bravo, on applaudit ma team de merde. Oh, la team de merde. Mais la team de merde. Mais de merde, hein. 0-2 Drassou, non. La team de bras cassés que j'ai eu. Oh là 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 là. Bienvenue sur Halo 5, mes amis. Les prostituées de Call of. C'est vrai, hein. Alors Call of, c'est de la merde. Donc du coup, ils ont tous acheté... le Halo, hein, ils se disent waouh, il va être génial et tout, il y a un putain de thriller avec la musique de Muse. Ouais, ça a attiré plein de monde, du coup, fait chier. Et du coup, bah, il y a plein de petits kikoulol de merde qui savent pas jouer à Halo et qui visent avec les deux gâchettes. Parce que oui, normalement dans Halo, on ne vise pas avec les deux gâchettes, on vise avec le stick. Quand tu vises, quand on vise avec une arme, on vise avec le stick droit. Alors de base, dans Halo 5, maintenant ils nous mettent. Comme dans tous les FPS, bah ça non, c'est voilà, oh là, ça m'énerve. Non, je vais les buter, je vais la concentration. Hein. On refait un truc comme ça, et puis après, on va aller dans un autre mode. Là, franchement, ça m'énerve parce que je suis bon normalement. C'est hier soir, ça s'est super bien passé comme d'habitude, quoi. Je fais une triplée dès que j'arrive avec mon magnum, ils ont rien compris. Je prends le drapeau, on gagne et tout se passe bien. Et voilà. Non, on a perdu la game, mais de rien. La perdais, j'étais ah putain le score que j'ai fait et tout, j'étais bien quoi. Oh, fait chier, merde quoi. C'est... Là je suis déçu. Et c'est encore la map de tout à l'heure là que j'aime pas du tout. Je préfère l'autre, toi elle est plus stylée. C'est plus couloir magnum et tout, c'est plus ce que j'aime en fait. J'espère qu'il n'y aura pas d'AFK de AFK pardon. J'espère qu'il n'y aura pas d'AFK parce que là ça va m'énerver. Allez, me poussez pas, c'est bien les copains. Ok, donc là, donc on va essayer de se mettre par là et pas essayer de trop montrer son nez là dehors. Ah, je vais l'aider là.
Je cours, je cours, je cours, je cours. Oh. Voilà, et on est bien. Duel. Je te vois. What the fuck? Comment il a fait ça? Perdu. Ah, franchement, on était pas mal. Franchement. Franchement, ça se vaut. Là, là, voilà, là, il y a plus de... Voilà, sauf que le mec, voilà, il a glissé, j'ai pas compris, là. C'est un truc que j'ai pas encore, ça. Moi, je peux pas encore glisser, je crois. Hein. À part si... Non, non, j'arrive pas. Ok, vas-y. Contre 3. Ok, j'en ai qui mort là-bas. Je vais aller voir ce qui se passe. 3 contre 1. Oh putain, c'est un allié, c'est un allié. On se calme. Pas trahir, pas trahir. Oh, il est où? Il est là-bas. Oh bah bien joué. Bon écoutez, écoutez. Bah déjà tu vois, là il y a de l'enjeu. Vous voyez, là c'est ça le jeu. Là il y a de l'enjeu, voilà, très bien. Allez, on continue. Ça va être mon mode préféré, je crois, parce qu'on peut vraiment faire des trucs marrants. Oui. Ça, c'est classe. Boum. Ta grenade de là, elle fera rien. Ouais, je peux pas avancer jusqu'à là. À part si on peut peut-être, mais... Oh, pas mal le lancer, là, j'avoue que c'était pas mal. Il a touché. Bien joué. J'ai eu l'assistance. Oh oui, je prends le fusil à pompe. Pompe ! Quoi ? Je l'ai pas tué ? Oh bah merde ! Oh bon, on l'a reporté. Mais merde quoi ! Mais merde ! Bon, pas grave, 2 kills. On a une bonne première manche. Faudrait que je fasse des manches comme ça encore. Hein. Ah, bon allez. Je suis pas le meilleur non plus, mais je suis quand même assez bon quoi. Allez. Oui, le magnum c'est toujours mieux. Hein. Surtout qu'on a rien ramassé pour l'instant. Oui, vas-y, prends ton DMR. Fusil d'assaut dans ce mode là, j'ai un peu peur qu'il m'intéresse moins. Oh, je l'ai eu. Oh bah j'ai eu à la grenade, pas grave. Magnifique lancer, avec un magnifique lancer, pas grave, je suis mort après, voilà, ça, voilà, là c'est de la game, voilà, on se sent bien. Allez mes amis, oh là 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 là. Ouh. Alors là t'as intérêt à gérer. Ouh, camouflage, vas-y. Camoufle-toi. Prends le DMR, voilà, très bien, vas-y, vas-y. Voilà, là, là, t'en avais un sur ta gauche. T'en avais un sur ta gauche, regarde, regarde, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont pas loin, regarde, t'en as encore un là. Oh, il t'a vu, 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 il t'a vu là. Ça va être dur, ça va être chaud. T'as pas les meilleures armes au monde, hein, des mères. Oh, bien joué la grenade, allez. Est-ce qu'il peut retourner la game? Allez, on est derrière lui, on est derrière Jinxu XX. Oh, plus qu'une minute en plus. Oh là, il se fait canarder, non, c'était pas possible, dommage. Mais il a très bien joué. Je trouve qu'on a des meilleurs joueurs dans notre équipe, hein, parce que voilà... Ouais, Johan, tu tues un peu la bite, là, complètement. Complètement. Voilà. Hop, on change d'arme de suite. J'ai de suite, voilà, boum. Il est parti là-bas, on tire dessus. Il m'a vu. Je suis rouge pétant, donc il m'a vu. Hein. 3 contre 4. Oh, je pense ma grenade comme une merde. Ouah, il a pris le fusil à pompe. J'aurais dû réfléchir. Ah, attention, c'est le fusil à pompe, pute-le, pute-le. Bien joué. Putain, c'est encore lui qui est... Putain, mais merde, quoi. En fait, ils ont vu qu'il se faisait exploser, maintenant il campe. Vous avez vu? Nous, on rush et tout, on essaie de faire du beau jeu, il campe, voilà. Bah, ça, c'est Call of, hein. Les mecs, ils campent en rouge pétant, en bleu pétant, parce qu'ils sont bleus, voilà. Ok, ok, ils veulent faire ça, on va changer de tactique. C'est parti. Ouais, c'est clair. Ok, ça attend ici. Oh yeah! Oh, double fragant! Et on gagne la manche! Voilà! Voilà, là, hop, on change de tactique et tout, voilà, là c'est bon. Là c'est bon, voilà, petit double frag. Là on est bien, voilà, voilà. Là on joue, là. Là on joue pour l'amour, voilà. Ah, vous avez vu que c'est un peu plus dur que la recherche de destruction sur Call of, hein. J'ai eu.
Oh ouais, mais j'en ai quand même eu un à la grenade. J'ai eu indemne, 0 je sais pas quoi, dommage. J'aurais pu gagner contre l'autre. Hein. J'ai juste pas visé sa tête, ce qui est dommage. Je suis un peu déçu de moi. C'est pas grave, là on est bien, voilà, c'est ça moi ce que je voulais voir des games, voilà. Voilà, même si on a perdu, voilà, c'est pas grave, bon je serais un peu dégoûté, mais on est en mode de game. Oh non, me dis pas qu'il se passe là. Et je peux voir personne, mais il est pas mort, je crois que c'est un bug. Je sais pas où est notre partenaire, voilà, petit bug hein, de sortie, bah le jeu vient de sortir, donc oui, il y a des bugs. Premier petit bug là, je comprends pas. Alors soit, je suis sûr il est AFK, il y a un AFK ici ou pas? Plus qu'une minute. Bah, il a fait des frags, mais bon, il peut être AFK à ce moment-là. PD. Allez. Oh là, qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? J'ai pas envie d'attendre une minute. Là. Voilà, on gâche une minute de temps. Bon, voilà, mon choix est fait. Alors, à tous les coups, il était AFK. Élimination proche. Ouais, oh là là. Faut absolument qu'on la gagne, celle-là. Faut absolument qu'on gagne les deux autres. Celle-là et la prochaine, si on veut gagner. C'est parti. C'est notre dernière chance. Ouais, je sais. Ok, pas mal. Très bien. Voilà, bien joué. Bon, j'ai pas fait grand chose, mais au moins, s'il y avait quelqu'un qui serait arrivé, était là. Ah là 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 là, là je vous ai dit, là on fait de la game. On a de la game. Ok, c'est parti. Là, c'est parti. Là, on est en. Là, la dernière manche de tout. Celui qui gagne. Bah. À la victoire. Attention, attention. Ne te précipite pas trop. J'arrive. Ah le fils de pute. Qu'est-ce que tu... Tiens dans la tête. Cherche pas la merde, cherche pas la merde. Contre deux. Allez. J'avais vu qu'il était là. Oh là 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 là. Ah j'aurais dû sortir moi ma mitraillette. Allez les gars, faut gagner s'il vous plaît pour HKTCB. Combien de frags? J'ai fait 7 frags et je suis... Bon, on va pas être mort mais... Oula, vas-y mon gars, fais attention, hein, tu fais attention. Oh, regarde, tu le vois, tu l'as vu. Je sais pas si t'as vu. Oh oui, 2 contre 1, c'est faisable. Va sur ta droite mon gars, sur ta droite, voilà. Oh là là là, allez, gagne là pour HKTCB, gagne là pour HKTCB, gagne là pour l'amour, l'amour. Oh là là mon dieu. Oh non. Oh qu'est-ce qu'il fout lui, il pourra pas courir. Ah ouais, de toute façon il a raison, hein, contre 1. Ouais, parce que voilà, je vous avais dit, on peut pas courir. Oh là là, ah c'est le stress. Allez. Oh là 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 là. Non, lâche. Oh putain. Partie terminée. Défaite. Je gagnerai jamais un match en arène. Oh la merde. Oh fais chier. Oh j'ai un drap, voilà, 7 frags, 1,1 ratio, voilà, ouais, là on est mieux. Bon, c'est pas grave, par contre, c'est quoi les trucs se qualifier, on doit avoir un grade et tout, mais je dois avoir un grade pourri si je gagne jamais, moi. Allez, oui, quitter le matchmaking, on va aller sur un autre, sur une autre partie, sur un autre mode, quoi. Mais j'aime beaucoup ce mode-là, mais par contre, je gagne jamais, hein, c'est fou. Hein. On va aller en SWAT. Alors, SWAT, c'est un des trucs que je kiffe le plus, où ça, j'ai envie d'être le mieux classé, et c'est la première partie que j'ai fait sur Halo, on a gagné, c'était en SWAT. Bon, j'ai pas fait un super score, parce que je connaissais pas la map, et j'ai du mal à m'habituer au dernier BR qui est sorti, je préfère le DMR, mais bon, c'est le temps de s'habituer et tout. Mais j'ai gagné quand même. Donc oui, il faut vraiment que je... Là, faut bien que je sois qualifié et tout. Faut que je me mette bien, hein. Voilà, surtout avec vous. Mais là, voilà, vous avez vu, on a peut-être perdu cette game. Mais pas comme l'autre. C'est une game à temps. Voilà, j'ai fait des kills. Franchement, je suis déçu. Parce que là, à mon dernier frag, genre, si j'aurais sorti la mitraille, on aurait pu gagner. C'est un peu de ma faute. Mais de toute façon, une défaite est à la faute de chacun dans un jeu. Arrêtez de joueur de League of Legends de merde et avouez que bah quand vous faites de la merde, bah, vous faites de la merde. Là j'avoue, j'ai fait de la merde, on aurait peut-être pu gagner si j'aurais pas fait ça. Ouais, nouvelle map que je ne connais pas. Bah c'est normal, j'ai joué que 2 fois en multi. Mais c'est pas grave, comme ça c'est découverte pour tout le monde. Je suis toujours un peu en rouge moi, hein. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Alors ça, comme je l'avais dit, une balle dans la tête et c'est plié. On n'a pas le magnum, tiens. Ok, ça dépend des fois. Alors, comment se présente cette map? Ok, il y en a un qui est passé par là. Il y en a un là. Voilà, premier frag, tire dans la tête. Si vous tirez autre part, ça va mettre beaucoup plus de temps et c'est pas le but. Hein. Il aura le temps de vous mettre 10 balles dans la tête avant que vous le touchiez. Ok, donc petit premier frag.
tir en pleine tête, voilà, c'est le SWAT, voilà, on se met bien, on se met bien. Putain, arrêtez de me faire peur. Arrêtez de me faire peur, c'est pas bien. Il est où? Il est là. Oui, je suis un peu meilleur en SWAT, hein, que vous l'avez vu, c'est un peu le mode que j'aime. Hein. Et on n'a pas de grenade, je vous rappelle. Oh là là, ce mec! Il a tiré 8 fois dans notre dos avant de dire bon bah j'arrive pas à toucher la tête, je donne un coup de crosse parce que je suis nul. Hein. Oh là. Voilà. Ah, je vous ai dit, là, on parle plus sur le même territoire. Hein. La reine, c'est peut-être. Je suis moins bon, mais. Par contre. Je suis beaucoup plus bon en SWAT. Ça fait plaisir. Vous avez vu, on a balles illimitées, ce qui est normal. C'est en SWAT, hein, donc... Oh, mauvais, Johan, mauvais. Pourquoi j'ai rechargé? Ah là là, le con. Ça, c'était très mauvais, hein. Et merde, ils sont deux. Oh, alors là, là... Très bien, un petit frag d'ouverture, comme ça. Merde. Double frag, voilà, c'est ce qu'on veut, mais oui, c'est ce que la SkyStV veut. Quoi, elle veut des double frags, des triple frags en SWAT? Voilà, ça c'est mon mode, vous voyez, ça c'est le mode où je campe tout le temps sur Halo. Bah pas à camper, non, mais où je joue le plus. Oui, AFK, mais ça fait toujours un petit kill, hein, écoute, hein, il n'a qu'à être connecté. Moi je suis rarement déconnecté, je me mets jamais AFK sur Halo. Hop. Putain, je t'ai vu toi. Dommage, toi aussi je t'ai vu. Oh là là, bien joué, ça c'était bien joué de sa part. Il m'avait visé avant, ça se voit. Doublé, aïe aïe, H de la gâchette. Oh, as de la gâchette. Oh, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. J'avais dit, hein, le SWAT, c'est mon truc, hein. Vous le savez, pour ceux qui ont vu. Oh, je t'ai fait un revirement, mon gars. Ah, il doit être. Ah, dommage. Et ça devait énerver. Une tire derrière, c'est ça, un revirement. Hein. On appelle ça un reverse, mais bon, bah là j'ai pas tué dans la tête, mais j'ai tué quand même. Vous voyez, ça met plus de temps et puis on paraît plus nul. Hein. Bon, voilà, là c'était un peu dur. Mais j'aurais pu gérer, j'aurais pu les tuer les deux si j'aurais commencé le premier. L'autre, il m'avait pas en joue, j'ai pas assez bien réfléchi. Bah oui, alors par contre, en soi, je me prends vraiment la tête sur mes tactiques. Hein, c'est, je suis déçu, j'aurais pu le tuer et tout. Voilà, comme ça. Alors, c'est qui le pro, bordel de merde? Il est peut-être nul à Call of, mais par contre, à Halo, en soi, il gère sa race, le Skydiz. Hein. Ah, je suis content là. Ah, je suis content. Et non, je suis accroupi. Merde. En fait, j'ai pas fait exprès. J'ai fait B pour voir ce que ça faisait. Bon, ça m'a accroupié, mais je pensais pas que ça allait le faire comme ça. Et du coup, il avait du mal à me tirer dans la tête. Par contre, toi. Aïe, aïe, aïe. Ok, je suis mort. Bien joué. Ça, c'était bien joué. Par contre, j'ai mis trop de temps à le viser. Alors, par contre, j'aurai jamais sur ce mode. C'est pas trop. À part quand ça campe bien comme des putes. Mais là, ça a pas l'air. Donc, c'est très bien. Ça joue bien. Le score est très serré. Je voudrais bien gagner quand même. Je sais pas, j'ai fait plus de kills, j'ai pas envie de voir. En soit, je regarde jamais trop mon score. Parce que les ennemis peuvent vite venir derrière, devant, de tous les côtés du monde. Donc moi, je fais très attention. Putain, on est trop regroupés là, les gars. Encore un conseil, quand vous êtes trop regroupés en soit, c'est pas bon. Vous êtes des cibles potentielles. Autant bouger. Faut bouger. Hein. Faut pas... Le SWAT, faut vraiment bouger, mais pas aller au milieu de la map. Hein. C'est pour ça que moi, je fais le tour à chaque fois. Pour voir des... Oh merde, pour voir s'il y a des kékés qui sont au milieu de la map. Ça arrive souvent, regardez. Là, ça campe beaucoup plus. T'es mort. C'est quoi ce bruit? Hop. Ouais, du coup, là j'ai fait de la merde. Hein. Là j'ai même pas tiré dans la tête, là c'était pas bon. Bon, je connais pas la map, regardez. J'arrive déjà à tourner dessus. Voilà, petit revirement. Diversion. Diversion. Voilà, diversion parce qu'en fait. Hop, voilà. Allez, on se concentre, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Je ferai beaucoup de live sur Halo, je pense. Hein. Oh, folie meurtrière. Ici, il y a trop de monde où je vais, hein, vous avez vu. Faut pas trop, bon, c'est vrai que pour faire des kills et tout, mais vous avez plus de chances de vous faire tuer, de vous faire arrêter votre folie meurtrière ou vos nombres de kills qui sont déjà assez bien engrangés. Mais, oh, regardez, là on les massacre, par contre, là c'est pas mal.
Voilà, quand il reste pas trop de monde, allez-y, hein, bon, voilà, mais bah, au milieu, vous allez voir, je vais me faire tuer vite fait. Voilà. Je suis pas bon au milieu, hein. Moi je vous dis, je suis bon à distance en soi, bon, au corps à corps aussi, mais vous regardez, c'est beaucoup plus imprévisible et j'aime pas. Je préfère, c'est pour ça, en soi, il faut prévoir, c'est pour ça des fois je tourne de l'autre côté, après de l'autre sens, et merde là, franchement, c'est ma faute. Là, j'ai juste été trop con. Là, ma connerie m'a fait des tours, comme d'hab, quoi. Oh, j'ai pas fait effet de l'autre côté, oh là. Victoire au prochain frag, ok, je vais essayer de faire le dernier frag, ce serait cool. Eh, c'est pas un qui l'ai fait, mais je te tue quand même. Terminé. Voilà. Victoire. Et bah, oh, 19 frags, je suis premier 11 décès pour 19 frags, voilà. J'ai envie de dire, le Skydiz est au top. Voilà, c'est ça qu'on joue bien. Oh, okay. Oh là 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 là. Et je suis passé niveau 3, très bien. Très bien, regarde. Voilà, ça c'est du mode, voilà. Ça c'est un mode. Bon, je dis pas que l'autre c'est pas un mode parce que j'aime beaucoup l'arène, bon la recherche et destruction quoi. Mais ça voilà, ça c'est mon mode à moi. Voilà, c'est le mode où je fais des doublés, des triplés, des folies meurtrières, voilà. Ça c'est mon truc, c'est là où j'ai toutes mes médailles dans tous les autres halos, c'est mon truc. Donc on va juste voir qu'un truc que j'ai envie de vous montrer, c'est ça. Alors attends. Attendez, c'est où? C'est où? Parce qu'en fait on a comme dans Battlefield, on a des sortes de on a des sortes de coffres ou de je sais pas quoi, qu'on garde des armes et tout, des valises, des trucs comme ça, on garde des armes, de l'argent, des emblèmes. Et ben c'est pareil dans Halo 5 et c'est tout nouveau. Alors par contre je me rappelle plus où aller pour faire ça, ça va être dans ça. Voilà, réquisition, voilà. Voilà, juste ici, voilà, on va aller dans le marché, non pas dans le marché, ah oui dans le marché oui, parce qu'on peut gagner, on gagne de l'argent, alors c'est ça qui est bien, c'est pas comme dans Battlefield où c'est très cher, c'est pas excessivement cher, regardez, je peux acheter ça, bon si j'économise je peux acheter ça aussi, il y a deux rares et tout, voilà, ça c'est bien, alors, bon après Léo, ça c'est l'autre acquisition, occupez-vous de la zone de combat, voilà, c'est ça autre chose, qu'est-ce que ça, rien fait monsieur, monsieur, répondez, monsieur. Waouh, d'accord, ok, là c'est l'eau qui coûte 30 euros, ok, qui coûte 25 euros, ok, pas de problème, non, j'achèterai jamais ça. Voilà, des petits trucs comme ça, même avec une carte bleue, voilà, vous voulez un truc ou je sais pas quoi, vous voulez craquer, il y a ça. Mais regardez, j'étais à rien, il me restait 0 et j'ai refait des games avec vous, j'en ai juste fait 2-3. On en a gagné que 1, on a fait un carnage, les autres on a perdu, même si le deuxième c'était quand même beau. Le premier on a fait de la merde, mais regardez, j'ai presque 5000 avec nous, je vous montre ce que c'est. On en gagne à chaque, normalement on en gagne à chaque... On perd, donc voilà, j'en achète un. On a acheté deux, hein, bon voilà. Et voilà, on garde ça. Waouh, super, j'ai gagné un casque. Après, ça c'est des... alors ça c'est des... comment dire, c'est des équipements en plus. Voilà, de l'XP en plus. Pour... pas de l'XP en plus, mais... on met de l'XP en... C'est un booster d'XP. Voilà, voilà, booster d'accélération aussi, d'accord. Bah, je peux encore en acheter un autre, j'achète. Hop, voilà, booster d'XP. Moi je cherche surtout les trucs d'armure pour l'instant parce qu'il est moche mon Spartan, on est bien d'accord. Hop, bon non, si j'achète les gros trucs je suis sûr d'avoir une armure complète, mais voilà. Voilà, fusil à... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Fusil à... comme un... D'accord, niveau d'accrédition. D'accord, voilà, bon là on gagne pas mal de petites choses. Qui, voilà, on gagne beaucoup, beaucoup de choses, hein. Donc on peut ouvrir des packs, voilà, là j'ai 3 packs à ouvrir parce que je les ai gagnés dans mes 3 games. Voilà, donc le saut. Alors c'est pas des incroyables, mais voilà, regardez, hop. J'ai un nouveau, j'ai un nouvel emblème. Donc voilà, j'ai ça, voilà des boosters, il y a beaucoup de boosters. Hein. Je pense qu'ils veulent vite qu'on atteigne. Ah bah j'ai gagné que ça. Ah d'accord, ok. Bon bah, d'accord. Bon bah c'était que 1. Je pense que c'est par chaque partie gagnée ou je sais pas comment ça marche, mais bref. Voilà, on va aller un peu dans la personnalisation du Spartan. Voir un peu ce qui se trame là-dessous. Voilà, j'ai pas énormément de casques. Ça c'est le casque que j'ai gagné qui est moche, bordel de merde. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de casques. Hein. C'est pas le casque de l'amour. Là, j'ai le casque de Master Chief, quoi, hein, c'est ça. J'ai pas beaucoup de couleurs non plus parce qu'il faut les gagner. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, mais je pense que je vais beaucoup jouer à cet Halo. J'ai très peu joué à Halo 4 en live. C'est pas parce que c'était nul, c'est parce qu'en fait j'avais pas le temps d'y jouer parce que j'avais plein d'autres jeux qui étaient sortis et j'avais... J'étais en plein let's play surtout sur Final Fantasy XIII et je farmais en oublié Halo 4, franchement. Ça, le let's play, juste pour vous, j'ai oublié de jouer à plein de jeux en live. Et du coup, celui-là, je vais le défoncer. Hein. Je suis légataire, donc au niveau maximum sur Halo Reach, et c'est ce que je vais faire. Je vais être le maximum aussi sur Halo 5. Je sais pas si c'est légataire ou quoi, bref. Je suis sûr que je vais faire que du SWAT. Mais c'est pas... que du SWAT, hein. Le SWAT, c'est l'amour. Voilà. Donc on va être en assassin. Donc l'assassin, c'est un jeu normal, hein, si je me rappelle bien. En gros, vous avez votre bouclier, vous avez toutes les armes sur le terrain. Voilà, vous avez des... vous avez aussi... juste pour voir...
Bon, on verra peut-être ça après. Vous avez votre armure, vos armes, pas besoin. Un tir dans la tête ne vaut rien à part si c'est un snipe. Bon, ça vaut toujours quelque chose, mais ça ne one-shot pas à part si c'est un sniper. Alors, pas les DMR ni le BER, ça c'est un fusil d'assaut plutôt à 3 tirs portants. Bah, le BER est plutôt un fusil d'assaut. Le DMR est plutôt un fusil de précision qui tire une balle par une balle, mais assez vite. Mais par contre, le snipe, c'est vraiment une balle dans la tête et tu crèves. Hein. Par contre, une balle dans le torse, oh, on sait jamais. C'est soit ça tue, soit ça tue pas. C'est bon. Alors, j'ai des amis qui sont connectés. Qui ont le jeu, on ne verra que ça, que les amis qui ont votre jeu. Alors d'accord, ouais bah c'est les mêmes, voilà, on est c'est les trois mêmes gars qui jouent au jeu. Voilà. On joue qu'au même jeu, hein. C'est pas... Chaque fois c'est eux qui sont connectés les premiers jours. Je suis aussi sur un nouveau Halo et on se retrouve depuis Halo Reach. J'ai pas encore pu jouer avec eux, mais je leur fais des bisous si vous regardez cette vidéo. Et mes amis et abonnés et vieux beurre, si vous voulez jouer avec moi, il n'y a pas de problème. Nina Memories, c'est mon nom. Voilà, regardez, il est là. Voilà, Nina Memories en deuxième, juste ici. Copiez-moi ça là, et demandez-moi sur Xbox One et on pourra faire des petites parties. Même des grandes, hein, des soirées, tout, j'adore ça. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a un fusil sniper, tout le monde va se ruer dessus, mais je vais me ruer dessus aussi. Oh là là, le fils de pute, voilà. Voilà, alors ça c'est juste pour vous montrer à quel point le fusil, les fusils de précision sont très demandés dans les halos. Ah voilà, ça c'est demandé à mort. Hein. C'est pour ça que je voulais juste vous montrer ça, moi je fais jamais. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup d'armes. Moi j'aime bien rester avec les armes de base et tout. Je suis très bon avec ça, donc non, on peut viser avec ça, c'est n'importe quoi. Voilà, avant on pouvait pas. Hein. Il y a le fusil à pompe. Bon, on s'en branle, on bute. En fait non, j'ai pas buté, c'est mon collègue qui l'a buté, mais c'est pas grave, j'ai même pas eu d'assistance, je sais pas. Y'a quoi là? Ah, c'est le même. Hop, je t'ai tué. Non, même pas, mais merde! On me pique tous mes frags! Non mais merde quoi! Oh, fait chier, deux frags, on me les pique. Ah bah c'est sympa, je vais retourner en SWAT. Hein. Au moins en SWAT, c'est dur de se faire piquer des frags. Hein. Alors me dites pas que c'est oh, c'est une mode du noob. Non, pas du tout. Allez venir en SWAT sur des Halo Reach. De toute façon, là, Halo, faut que ça se développe. C'est un jeu qu'il faut que ça se développe. Pas... Je savais qu'il allait me faire ça. Il m'a mis caviar. Il est caviar. Il m'a remis caviar. Je suis caviar. Je savais qu'il était là. Oh là là là, il a très bien joué. Ouais, il y a beaucoup de joueurs comme ça, je le suis aussi, hein, sauf que là en vidéo... Oh l'excuse de merde, l'excuse de merde, regardez la SWAT de tout à l'heure, vous allez voir l'excuse de merde vive l'excuse de merde, hein, parce que là je suis très bon hein, en SWAT, hein, vous pouvez pas le nier. Quoi, chronétique quoi. Ah d'accord, oui ça arrive dans 21 secondes, ok. D'accord, oui, c'est comme les couilles stratégiques un peu à la... Tiens, mon enfoiré, à la Halo, oui, parce qu'on a des colis dans Halo, hein, depuis Halo 4, hein, c'est un peu nul, mais bon, c'est marrant, c'est bien fait. C'est pas des colis à la Call of, mais c'est des armes qui pop pff, tout de suite direct. Oh, je suis trop extasié. Ah là, est-ce qu'on a un nouveau truc que je vais vous montrer. Je suis trop extasié sur le quichoir, mon dieu, j'ai buté, j'ai pas vu le deuxième. Bah, j'ai vu trop tard, moi, j'ai pas pu l'entamer. Je me suis mis de vie caviar. Ça, c'est une nouvelle attaque, c'est... Pouf, voilà. Ça, c'est dans tous les modes, hein, voilà, on a ça. Ah, oh, je sais pas si dans le saut, j'ai pas testé, mais il doit y avoir. Hein. S'il y a un coup de crosse, il doit y avoir. Maintenant, on peut s'accrocher aussi sur les parois, ce qui est nouveau. Hein. Oui, c'est pas Titanfall, le jeu, ni le dernier Call of. Oui, c'est nouveau, mais nous, on reste sur un gameplay terre-à-terre, et ça qui est bien. Oh, c'est une grenade de con, il m'a vu. Oh là 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 là. Bon voilà, hein, je suis pas... En fait, je suis bon quoi en SWAT. Non, je suis bon aussi dans les autres modes, mais beaucoup moins. Voilà, le SWAT, sur Halo Reach, j'ai quand même fait des compètes quand j'avais 14-15 ans. C'est pas une blague, hein, j'ai fait des compètes, je me suis déplacé et tout. C'était en Bretagne, mais c'était quand même bien, quoi. J'étais content et tout, je commençais à être apprécié des joueurs. Lui va mettre caviar, voilà. Connexion américaine de merde. Oui, alors ça vous m'entendez beaucoup la dire, hein, connexion américaine, hein, parce que la connexion américaine c'est quelque chose qui fait beaucoup parler sur Halo Reach, en quoi les américains avec une meilleure connexion de nous, donc quand ils nous entamaient, même quand ils nous entamaient pas et qu'on visait eux la tête et eux le pied, bah on crevait. Halo Reach c'est vraiment l'exemple du mauvais multijoueur en connexion. Bah là il y avait un autre gars. Il y avait un gars derrière, voilà, bon bah lui il a fait un doublé, bah super, bah écoute, moi voilà, je rush comme d'hab quoi, je me sacrifie, puis lui, ils font les frags, ouais, je suis un soutien en fait, hein. Un DMR. Ah non, un BER, très bien. Bon, je préfère le DMR comme je vous l'avais dit, mais c'est déjà pas mal, ils sont de plus en plus au FAMA, ce BER, c'est pas possible. y a un gars là. Non. Oh oui. Un peu caviar, c'est quand on le touche, hein, voilà.
l'Albert aussi, sauf que lui c'est mieux sans savoir que moi. Et mon allié il a encore piqué, voilà. Ah non, non, il est là en fait. Ah bah il est mort quand même, ok. Bon là je lui ai laissé là, parce que je crois qu'il l'avait tué. Ok, c'est reparti. Ah, je l'ai tué quand même, rien à foutre. Tire dans la tête. Alors pourquoi je fais beaucoup de tirs dans la tête? C'est simple, parce que j'ai beaucoup joué en SWAT. Durant un low, on est obligé de faire des tirs dans la tête. Je suis toujours un peu comme ça avec mon viseur. Je suis toujours un peu en haut. Oh putain, là j'étais trop en haut par contre. Oh là 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 là. Allez, donc il y avait que le SWAT qui était bien. Hein. Ah, le SWAT c'est l'amour. Hein. Par contre, le reste, je peux aller me faire foutre. Hein. Oh là. Il m'a pas vu. Ouais, oui, il m'a vu. Oh là, ils sont deux. Ils sont trois, d'accord. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle se faire aller se faire foutre en fait, hein, dans tous les langages du monde de jeux vidéo. C'est le game bang. Bon, on est à moitié de notre chemin de notre victoire. On peut encore faire quelque chose de bien. Allez, c'est parti, on se concentre. On y va un peu plus comme avant quand même, parce qu'il faut que je reprenne aussi un peu le coup, mais normalement ça devrait aller. Bah, on contourne comme je sais bien le faire, jamais au milieu, je suis pas assez con. Ou du moins je suis pas assez fou. Je suis quelqu'un d'assez créatif dans FPS, mais bon quand même. Dans l'eau, je suis moins, mais faut faire attention. Il y a un mec qui est mort là. Ça, c'est un autre, ça, c'est un autre gars. Dérouilleur. Ah, voilà. C'était un autre gars parce que l'autre était pas caviar et puis il avait pas de main de casque. Voilà, dérouilleur, d'accord. Ça, c'est qu'on doit faire beaucoup, pas mal de coups de crosse. Des nouvelles médailles. J'aime bien les nouvelles médailles. Du coup, ce qui est chiant, mais il y a plus. Avant, sur les autres halos, il y avait les rapports de médailles, trucs comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Je t'ai tué ou pas? Non. Ça connaît les maps. Hein. Bah, hop, tire dans la tête. Je m'en sors très bien avec mon magnum, moi. Eh, le campeur au snipe. On n'est pas sur Call of. Voilà, je t'ai tué. J'ai cru qu'il allait piquer, mais voilà. Les mecs, ils campent en bleu pétant, tu sais. C'est génial. Ça m'a toujours fait rire, ça. Les mecs, ça campe, ils sont bleu pétant, tu vois. Ils campent avec leur snipe. C'est pas une grande map, en plus, hein. Faut pas déconner, hein. Oh là, ah voilà, une sorte de DMR alien contenante. Qui me plaît pas énormément sur ce halo, mais bon voilà. Si rien me plaît, vous allez me dire, hein. Yohan le rageux. Bon, il m'a bien eu, il a bien joué, il a très bien joué. Il a très. YOLO swagging. Voilà, regardez-moi ça, ça campe bien au snipe. Ça campe bien au snipe, 33-33. On fait que des parties pour l'instant assez assez serrées parce qu'il y a vraiment pratiquement que des bons à la sortie d'Halo. C'est pour ça c'est assez dur de jouer à Halo au début, parce que à sa sortie, parce qu'il y a vraiment que des bons joueurs, hein, comme vous l'avez vu. Bon, en soit, par contre, je suis bon, hein, ça vous l'avez vu aussi. Il y a un pote qui le couvre avec son snipe et qui campe, mais regardez-moi ça, depuis tout à l'heure, le mec, il est avec son snipe tout pourri. Même quand il meurt, il réussit à le ravoir, quoi. Non, mais c'est une blague. Ah, et ce qui est bien aussi, ils ont pas fait de classe, parce que dans Halo 4, on peut faire des classes et c'est nul à chier. Ça gâche complètement le jeu, et ça, c'est bien, ils l'ont rectifié, 343 Industrie, parce qu'on leur a dit que c'était nul, comme les kitcam à la fin. Enfin, ça s'est resté un mois sur Halo 4 et kitcam de fin, mais ça a plu à personne. Il doit pas être loin. On va prendre le verre. Moi, j'ai pas habitué de créer des classes, moi. Même dans Call of, quand on m'a dit qu'il fallait créer des classes, j'ai pas compris. J'ai joué à Halo, moi, avant Call of, donc j'ai eu un peu de mal. Wallalala, oh, wow, c'était un beau lancer quand même. Hop, oh, putain de merde. Très beau lancer avec ces colombes de merde. Oh là là, je me fais mettre caviar. Je me fais mettre caviar. Je suis caviar. Oh, je suis bien caviar là. Alors faut pas courir en fait pour charger bouclier, c'est nouveau dans cet halo, mais du coup faut pas courir pour recharger bouclier, et ça prend 7 secondes comme à chaque fois, parce que 7, ils ont un truc mystique les halos, à chaque fois ils aiment bien, les créateurs d'halo aiment bien le nombre 7, le chiffre 7, donc du coup, alors toi mon gars, cet américain de merde, j'ai pas eu. Oh là là, mais ça par contre c'est bâtard, il campe et là moi je suis en descente, donc le mec a juste lancé une grenade, même s'il la loupe, même s'il la lance mal, il peut m'avoir. Alors ça, voilà, ça c'est l'exemple de campeur. Alors ça c'est des gros campeurs qui devraient retourner sur Call of, hein, parce que ça, ils vont aller bouffer leur merde. Boum. Boum. Je suis allé bouffer ma merde aussi, moi. Alors ça, c'est pas la technique la plus cool, hein. C'est un peu la technique du noob, hein, de rusher et de faire deux coups de crosse, hein. Je vous l'ai dit souvent quand je faisais du Halo 4, que ce soit en stream ou sur les vidéos d'Halo 4 que j'ai fait il y a pas mal de temps sur YouTube. Mais voilà, c'est vraiment un coup de pute. Mais là, le mec... Oh, ah non, il est pas encore arrivé. Ok, ok. Ça, faudrait que je m'habitue. Ok, il doit y avoir un gars en haut, je crois. Ouais, il y a un gars en haut.
Il est en train de tirer dessus. Il y a un gars juste là en bleu pétant. Allez la grenade, allez la grenade. Oh là là, j'ai mal lancé ma grenade. Le fusil sniper est sur la carte. Comme ça, voilà, ça c'est du classique. Oh putain, 7 kills pour 18 décès ou 17, ouais, non, c'est nul à chier. Alors ça, voilà, ça c'est du classique à l'eau, voilà, c'est quand même un match en par équipe sur Call of, quoi, voilà. Parce que je sais que je parle beaucoup à des gens qui jouent à Call of, ce qui est normal, c'est un jeu très très bien vendu. Bon, bah on a gagné quand même. Voilà. Voilà. On a gagné quand même, mes petits amis. Voilà. Et maintenant, j'ai une annonce à vous faire, mes petits amis. Il y aura une nouvelle émission sur la Ski CV qui va compléter Ultra ou Super. Vous inquiétez pas, vous aurez bientôt votre épisode de Final Fantasy. Mais là, il y a beaucoup de découvertes à faire. Donc oui, mes petits amis, petite annonce. Une nouvelle émission. Alors, il faut que je me fasse une intro et tout. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est génial, donc le multijoueur c'est génial, ce sera que du multijoueur, ce sera 1h, 2h, 3h de multijoueur à fond, une soirée de multijoueur, ça peut être 1h, 2h, 3h quoi, bon plutôt 1h, 1h et demie, hein. Mais voilà, ce sera du multijoueur, ce sera surtout sur Halo, hein. Parce que les autres multijoueurs dans les autres jeux, je suis nul à part sur Titanfall, mais Titanfall ce jeu est à chier, bordel de merde, je ne comprends pas, c'est nul, il y a des IA en mode multijoueur, donc j'ai du mal à comprendre, voilà, expliquez-moi. Bref, mes petits amis. Une nouvelle émission va arriver, le multi c'est génial, ou le multi c'est super, on verra comment je vais l'appeler. Et voilà, ça sortira dans normalement pas trop longtemps, mais bien sûr, la prochaine fois vous aurez votre épisode de Final Fantasy. Ouais, t'avais dit ça à la fin de Life is Strange. Oui, mais il y a Halo 5 qui est sorti. À chaque sortie, il y aura une découverte pratiquement, surtout si c'est du Halo 5, tu vois. Voilà. Bon, il y a Fallout qui va sortir, Tomb Raider aussi, bref, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir, mais demain, je vous retrouverai. Demain, la semaine prochaine, soyez-en sûrs, je vous retrouve avec du Lightning Return. Allez. Salut tout le monde, je vous laisse des gros bisous, la Skylist TV en l'antenne. Ciao.